Nan commune Carrefour, anti-avion tombé jodi an la, plusieurs moun mouri. Au moins 5 moun perdu la vie jodi an la nan commune Carrefour, côté yon ti avion sot tombé sous zone route rail tout près Chanel, tout près Christophe Chanel, ben c'est là, ben ti avion lui-même li tombé. Qui ça fait ti avion ça tombé? Poko gen tout détail. Et yo ta remarqué ben plusieurs moun ki mouri nan avion an, yo de nationalité étrangère. C'est étranger, plusieurs moun ki mouri nan avion, c'est étranger, vous voyez. Et pilote la li même tout, li mouri fanatique Joe Canel, journal 9. Donc problème en pile bagay passé jodi a la nan peyi an, pral bon tout détail yo, a commencer par sa krive après-midi an la nan commune Carrefour sou route rail, côté ti avion an tombé, plusieurs moun mouri, plusieurs moun blessé, au moins 5 moun perdit la vie, yo gen moun ki mouri krasé an dan ti avion an, gen moun gade pied yo fon bò, gen moun ki mouri tout plié net krasé an dan avion. C'est image vraiment choquante. N'a fò gade kek image, mais gen de image nou pap ka kite wè parce que yo très choquante. An nou suiv. Non, la machine non. Voilà, c'est comme ça situation te nan commune Carrefour côté pile monde te gen ta courir vin gade qui s'est passé côté que ti avion ça lui-même li chaviré. Bon m'pa di li chaviré, li tombé, li font crash sur route rail nan commune Carrefour tout près Christophe Chanel, c'est là ti avion ça lui-même li tombé fanatique Joe Canel journal 9 côté que ben c'est gros saisissement nan commune ça et t'assemblé gen moun ki était à terre tout qui mouri parce que ben après avion ça fin fait crash ça sur route rail tout près Christophe Chanel nan commune Carrefour ben li provoquer accident machine selon information qui disponible, c'est ça qui la cause en pile moun yo même yo blessé après crash avion ça. Pourquoi il y a un pile détail tout qui dit côté avion ça t'a sorti? Est-ce qu'ils sont avion qui t'a sorti dans zone nord, dans zone sud? Donc par contre, pourquoi il y a trop de détails sous cause ça? Fanatique Joe Canel journal 9, mais information c'est que yon ti avion tombé dans commune Carrefour sous trail tout près Christophe Chanel côté pour plus petit 5 moun perdu la vie sans compter les autres qui blessé. Il va qu'a passer dans pays ça. Pas un bouche pour parler. Nous j'ai gonti avion déjà qui t'a frappé en moto. Ba quoi te gen moun mouri non les ça. Si m'a tombé c'est dans sud c'est au caille. Hein? Ba quoi gen moun qui te mouri les ça, on ti avion qu'a frappé en moto. Puis quand penser blague, non ba qui fait tout bon, vidéo a été disponible sur réseaux sociaux yo. Le ti avion a pas atterri et puis l'a frappé en moto. Gros causé papa. Donc quoi pays ça. L'autre information, nous on pile bagaille passé jodi a là. Tant qu'au matin, bien bonheur, Godi fait prendre nan au cap. Godi fait prendre au cap, plusieurs moun mouri, gon femme enceinte qui mouri, yon femme enceinte 9 mois, li mouri boulé nan di fè a, el boulé avec deux autres petites li, et qui gen entre 7 à 9 ans. Ok, ça passé dans zone barrière battant, dans Milo. Ok, ça passe bien bonnet, c'est bien bonnet. Bon, 6 heures du matin, d'y faire après, mais c'est juste un après, deux heures après, que pompiers ou même yon te vini, selon information disponible, pompiers débarqué sans de l'eau. Est-ce qu'elle n'en dit? Pompiers débarqué sans de l'eau. D'y faire prendre en caille, dans zone barrière battant, dans Milo, et dans nos pays, plusieurs moun mouri. Yore les pompiers débarqué, camion vini sans de l'eau.
gros cause papa. Et nous dit ça gon femme enceinte 9 mois qui mouri, gen deux autres petites li qui mouri dans difea. Gen Raphaël mes amours qui c'est mari dame qui mouri dans difea, en ben monsieur lui-même li boulé grave et gen deux autres ti moun qui boulé tout, yo couri l'hôpital avec pour al bay au soin, mais Jean Nola en ben c'est trois moun qui t'est mouri sous place dans difea, en femme enceinte 9 mois avec deux ti moun qui gen entre 7 à 9 ans qui mouri dans difea, mouri cancané et gen mari dame nan qui mouri lui-même qui boulé grave avec deux autres Simon. Ah mais qui sac la cause dit fait ça qui prend dans dans zone barrière battant dans Milo côté que il y a plusieurs cailles qui boulent tout dans dit fait. Ah mais c'est stockage gaz, yo stocke gaz, yo stocke gazoline. Nous songe dernière fois dit fait te prend au cap, c'est un camion gaz qui était chaviré puis mon dans courial boté gaz et puis dit fait prend pile monde mouri, dit fait a te propager tout caille boulet. Ah mais fois ça c'est dans caille ça mon yo semblait te stocke gaz, yo t'ai gazoline serré pour vendre en dan kayla, c'est ça qui t'a la cause gros dife pété nan barrière batan nan Milo jodi a la nan nord payan fanatique Joe Canel journal 9 côté pour pipiti 3 moun mouri yon femme enceinte 9 mois avec deux ti moun ki mouri gen l'autre ki boule ka l'hôpital Marie Fian mes amours Raphaël mes amours boule la l'hôpital ensemble de l'autre ti moun ki boule très grave tout fanatique Joe Canel journal 9 pile bagay passé jodi a la nan pays a ambe ki den dou gagné ancien sénateur Youri la Tortue monsieur met deux mains dans tête li relan mrey par rapport à cause insécurité a et li estimé gen gros bagay ki ka fait pour résoudre problème insécurité a commencer par bay police nationale un budget ki pou li. OK, un budget spécial pour la police nationale pour faire recrutement, nouveau recrutement pour former un groupe policier anti gang, pour acheter bon équipement, bon blindé. En tout cas, commission Pachay entendé ancien sénateur Youri la Tortue. Yo consolider parce que je dis à que des côtés pour passer former yo gagne des business former yo donc l'on éliminer deux ça va vite faire que gagne 10 blocs encore qui paraît donc je dis à malgré l'effort qu'a fait au niveau du chef police là nous croyons que gagne en pile action qui doit être faite pour que nous résoudre problème ça action qui doit être faite c'est que ou pas qu'à une situation, ça va dégager un budget spécial pour la police. Le travail qui fait dans la police, là, pour Dieu, c'est mettre l'ordre par rapport à un policier qui va là. Mais malheureusement, ça qui est visé, il n'est pas arrivé. Eh bien, moi, je crois que vous avez un budget spécial pour la police. Un budget pour l'équipement. L'équipement que la police a besoin, ce n'est pas que les petites machines que les États-Unis vous avez fait cadeau. Même j'ai un certain pays dans ce temps. Que nous sommes Salvador qui a des problèmes de sécurité, pays a dégagé un budget spécial pour acheter pour la police pour protéger la population. Moi, je crois que je dis si un budget spécial, il faut acheter équipement, un budget spécial pour frères policiers autour, puisque c'est eux qui sont dans la rue. Hein? C'est eux qui ont affronté, nous avons un droit à un offre spécial, et également pour la formation. Parce que je dis à policiers que nous avons une formation appropriée pour attaquer les gangs. Je connais que le chef de la police a déjà eu un recrutement qui a fait au niveau de la police pour la formation, mais ça a duré trop de temps. Et ça a été fait déjà. Et pendant qu'il a fait formation pour préparer des policiers pour former une unité anti-gang qui pourra contrecarrer, il faut faire leur formation de un recrutement massif qui va permettre que de remplacer les policiers qui ont même pour aller dans l'unité spéciale. Parce que actuellement, j'en ai dit la dernière fois, c'est au niveau théorique de la police, il y a 14 000 policiers, mais au niveau pratique, il va dépasser 12 000. Et normalement, nous avons besoin entre 2 à 3 policiers par 1000 habitants, au lieu que nous gagnions, qui fait que je dis, nous n'avons pas gagné exactement le nombre de policiers qui ont gagné. Donc, dans ce sens-là, nous pouvons être. Au niveau sécurité, nous disons, un mot pour DG, et c'est un pile policier qui a fait effort, mais ce n'est qu'une petite partie du travail, puisque faut nous attaquer pour le plan en groupe, et c'est peut-être ça nous demander le budget spécial là. Nous demander les équipements appropriés, ce n'est pas le moment pour avoir des machines simples pour la police, c'est le moment pour des blindés, pour des hélicoptères, pour des gilets pare-balles, pour des bons combat de boots, pour casse, pour que la police là en état. Pour que lui mette fin à la question insécurité. Et je dis à mon point que
faut que vous bailliez la police automobile. Donc, on décret en mai 2020 que on a arrêté, excusez, que Jovenel Moïse te prend, qui a retiré l'autorité que la loi par le chef de police là, pour l'obé directeur départemental pour faire des changements. Il a été confié plutôt à CSPN et je dis à moi que CSPN va venir en odeur de cette été pour que joue le rôle. D'ailleurs, c'est ma rôle dans la loi, CSPN dans mon rôle stratégique, mais vite mon rôle tactique pour le dire non, commandant dans le département, c'est permettre à ce que nous fait politique en tant que police à l'heure que nous commandons dans le département, que la police a jugé qu'il n'est pas fait comme là, CSPN n'a pas bloqué, ou mettre un monde qui a fait politique, et je pense que je dis à non seulement au niveau matériel, au niveau vrai, nous allons être sûr, mais au niveau légal, on arrêté, qui était illégal, qui était confié un rôle à CSPN, qui n'a pas gagné. Je dis à mes parce que il faut retirer pour que l'état-major de la police ait une latitude pour que le fait travailler et permettre non seulement que le fait travailler, il fait déplacer les policiers qui veulent déplacer, mais ils font 20 tout, puisque nous avons un cancer de la police. Malheureusement, il y a en pile, mais il y a des policiers qui entrent dans le camion. Ce n'est pas la majorité, mais il faut que le chef de police également fait 20 sous ça. Voilà en gros deux sujets. Voilà, ancien sénateur Youri La Tortue qui lui-même t'a fait connait, qui t'a expliqué qui Jean en ben gouvernement lui-même les ca résoudre problème insécurité à dans pays même si Ariel Henry pas sous ça. Ariel Henry pas sous pour insécurité. Ouais, ou pas ou ca dire sous qui ça Ariel Henry. Ou ca on monde ca poser question. Bon, qui ça Ariel Henry a fait? Qui ça veut faire? Qui ça a dans tête les pour faire comme premier ministre comme monde qui dirige pays là. Ou pas qui ça Ariel Henry lui-même livre les faire dans tête pays fanatique Joe Canel Journal 9 en tout cas Youri La Tortue lui-même lui toujours fait des propositions sur moyens sur comment en ben autorité pas bon ici ca résoudre problème insécurité kidnapping par ci par là gang ca frise monde casser pour être monde tout côté dans pays là et Youri La Tortue tout monsieur met deux mains dans tête li par rapport à $50 sous causé fonds national éducatif. OK en ben l'agent ça il évalue à plus de $200 million les causé en pile l'argent en ben l'agent ça lui-même il gagote il pas utile secteur éducatif la vrai selon Youri La Tortue qui a bail quelques chiffres et détails sous l'agent ça qui rentré dans caisse l'état en 2012 gagné $12,099,912 qui rentré. En 2013, gagné $13,378,006 pour l'année 2013. Année 2014, gagné $14,653,422. Année 2015, nous avons gagné $16,801,499. Année 2016, 19,151,527 $. Année 2017, $21,454,711. Année 2018, $24,478,020. Année 2019, $27,126,756. Année 2020, $30,394,884.11. Année 2021, $32,192,595. Et de janvier jusqu'au 30 mars 2022, $7,653,160.50. Ce qui fait en tout de 2011 à 30 mars 2022, gagné environ $222 million qui rentrait dans FN2. $222 million. Comme ça, nous sommes de juin 2011 à 2016. De 2011 à 2016, il a été utilisé comme ça pour la question de Sugo. Ça veut dire que il a pris comme 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, qui c'est environ 62 millions de dollars, yo mettez la question de Sugo. Sugo, c'était quoi? Yo, dès qu'on a payé pour tout le monde aller à l'école à raison de 90 dollars. Mais dans le rapport pour des comptes qui sorti en 2015, il dit que le rapport sur l'efficacité des dépenses et la situation financière, le rapport que nous avons reçu en 2016 dans le Sénat, il dit que comme ça a été très mal dépensé dans la question Sugour. Eh bien, en 2016, il a été réorienté comme ça pour aller, eh bien, dans la question de construction de l'école. De construction de l'école avec fourniture de matériel scolaire. Construction de l'école avec fourniture de matériel scolaire. C'est-à-dire, premier 60 millions de dollars qui est allé dans la question Sugoua, il a fini dépenser dans Sugo. Deuxième partie, il a réorienté vers la construction des écoles et matériel scolaire. Et en 2018, dans le Sénat, nous demandons un rapport sur comme ça. Nous avons un rapport eh bien, qui a prouvé justement que, eh bien, comme il a rassemblé de 2016 à 2018, il a mis dans la construction 30 l'école. La construction 30 l'école. Nous demandons pour les comptes font un rapport, malheureusement, qui n'a pas fait. Mais qu'on y est allé arriver le 30 mars 2022, le 30 mars 2022, eh bien, nous, de 2016 au 30 mars, il y a environ 160 millions de dollars que nous rassemblés encore, que nous rentrons dans le fonds. En 2017, là, on était directeur général et fonds, puisque l'on a été voté, il a dit qu'on va le faire 30 l'école. Et 30 l'école, ça y est. C'est à quoi ça a fait. Et 30 l'école, ça a fini en 2021. Ça nous remarque qu'on y a, c'est que dans 30 l'école, c'est 27 seulement qui est passé devant la commission CNMP. Et dans 27 qui est passé, que vous admettre pour faire, c'est 3 l'école seulement qui finit. Il y a 24 l'école qui est en construction. Alors que l'école est devenue finie en 2021. Et quoi qui rentrait de 2016 à toujours, j'aime ce dit là, c'est environ 160 millions de dollars. Donc, puisque nous avons pris l'anomalie, parce que pour faire 30 l'école, qui c'est l'école primaire, l'école secondaire, eh bien, on ne peut pas dépenser tout comme ça. Donc là, nous remarquons l'anomalie entre quoi qui rentrait. Et comme que on dit qu'on va faire l'école. Parce que sous fond, actuellement, il était simplement dans BRH 2 220 000 dollars. BRH débloqué 220 millions de dollars pour FNE. Bon, première partie qui est dans le bon, deuxième partie, actuellement, qui est supposé là pour l'école, mais l'école est beaucoup finie. Donc, étant donné nous toute anomalie que Cour supérieure des comptes a constaté en 2015, anomalie que nous avons constaté dans le Sénat en 2018, nous demandons un rapport à l'IPAFEL. Donc, nous écrivons M. Robert Saint-Paul, conseiller Saint-Paul, qui est président, pour nous dire état de la situation. Nous voyons un document au Bali. Nous voyons un document ça, qui sont un document eh bien, dans l'État, dans le BRH, côté que nous disons, mais combien de fois que vous entrez. Nous voyons également un document FNU à Bali qui dit, mais l'école qui va le faire. Et comment se fait-il que tout comme ça au passé, non seulement l'école lui a beaucoup fini, mais deuxièmement, près de 220 millions de dollars déjà débloqués. Donc, nous voyons également le document par le sénateur Lambert. Même s'il était 10 sénateurs, il n'y a pas de majorité fonctionnée, mais moi je crois que ce travail Sénat, quel que soit le nom que vous avez fait contrôle, vous avez les ministres, vous avez les. Eh bien, directeur général, pour que vous vérifiez ça. Puisque ça, nous remarquons,
au niveau de diaspora, c'est que Mounio, il prend 1,50$ là, c'est pas 1,50$ là dans le fait que vous baillez qui dérange, c'est que vous prenez comme ça, les gens viennent faire des plus riches dans le milieu. Ils vont venir dans la poche dirigeant, et comme de fait, depuis le comme ça a été commencé par 2011, j'ai des appréhensions sur le côté légal, puisque les SAA n'ont pas de loi. Le que, comme ça, ils ont voté des lois, ils ont eu l'appréhension, puisque ils ont dit, comme la parole de la corruption. Et je dis, nous, que nous pas qu'à justifier comme ça, à partir de données que nous recevons, eh bien, nous, que c'est un gros problème, et que pour des contrôles, à le fouiller plus fort que nous, puisque ils ont accès à tout document FNEO pour nous écouter comme ça passer, puisque son corps qui a loué exactement pour l'éducation. Pas oublier, fonds éducation, ce n'est pas 1,50$ seulement qu'il a donné. Les gens comme la donne tout, qui ont 5 centimes par appel. Chaque fois qu'on appel à l'étranger, il y a 5 centimes qui sortent, qui doivent aller dans l'éducation. Ça, on ne peut pas enquêter sous lui. On a parlé là de 1,50$. Il y a la donne 222 millions qui rentrent depuis 2011. Donc, dans ce sens, nous avons écrit au conseiller Sekoul pour qu'il y ait approfondi l'enquête, puisque tout comme ça, en général, 220 millions que nous connaissons qui allaient dans la FNVA, plus ça qui est dans la Banque centrale, là, 2 millions, on nous a dit là toujours. Voilà, précision, Youri la tortue sous causer l'argent FNVA. Qui a pris un sous citoyen, sous diaspora, et puis l'argent par Haïti l'un. N'est-ce que c'est ça seulement vous fait? Prend l'argent, et puis al riche sous deux populations, al riche sous deux peuples haïtiens, pendant que pagé l'école qui construirait, pagé un système éducatif qui renforcé, professeur l'école pas qu'à toucher. Vous entendez? L'argent, pile l'argent collecté, professeur pas qu'à toucher, pagé l'école qui construit, et puis vous entendez pile l'argent collecté. En tout cas, vous avez l'attention de demander autorité compétente pour prendre les mesures qui s'imposent, et puis vous marrez-vous, n'est-ce qui botte l'argent ça? Ou kon formule là déjà, si vous pouvez abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petite cloche là pour qu'à toujours recevoir notification yo chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, suivez-nous sur www.journal9.tv et toujours vidéo bagaille neuf pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour qu'à encourager bel travail ça. N'ap campé là avec vidéo aussi là.